Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Écoutons les lectures de ce dimanche, jour de la résurrection du Seigneur, lu par Madame Eugénie Zanou et le révérend diacre Justin Dikounou de la Société des Missions Africaines, commenté par le père Nestor Raguel, qui a là de la Société des Missions Africaines. Première lecture. Lecture du livre des Actes des Apôtres, chapitre 10, verset 34 à 37 au verset 43. En ces jours-là, quand Pierre arriva à Césarée, chez un centurion de l'armée romaine, il prit la parole et dit, « Vous savez ce qui s'était passé à travers tout le pays des Juifs depuis les commencements en Galilée, après le baptême proclamé par Jean. Jésus de Nazareth, Dieu lui a donné l'onction d'Esprit Saint et de puissance. Là où il passait, il faisait le bien et guérissait tous ceux qui étaient sous le pouvoir du diable, car Dieu était avec lui. Et nous,
nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Celui qu'ils ont supprimé en le suspendant au bois du supplice, Dieu l'a ressuscité le troisième jour. Il lui a donné de se manifester, non pas à tout le peuple, mais à des témoins que Dieu avait choisis d'avance, à nous qui avons mangé et bu avec lui après sa résurrection d'entre les morts. Dieu nous a chargés d'annoncer au peuple et de témoigner que lui-même l'a établi juge des vivants et des morts. C'est à Jésus que tous les prophètes rendent ce témoignage. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon de ses péchés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume 117. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Rendez grâce au Seigneur, il est bon. Éternel est son amour. Oui, que le dise Israël, éternel est son amour. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Le bras du Seigneur se lève, le bras du Seigneur est fort. Non, je ne mourrai pas, je vivrai, pour annoncer les actions du Seigneur. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la pierre d'angle. C'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Voici le jour que fit le Seigneur, qu'il soit pour nous jour de fête et de joie. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Colossiens. Chapitre 3, versets 1 à 4. Frères, si vous êtes ressuscités avec le Christ, recherchez les réalités d'en haut. C'est là qu'est le Christ assis à la droite de Dieu. Pensez aux réalités d'en haut, non à celle de la terre. En effet, vous êtes passé par la mort et votre vie reste cachée avec le Christ en Dieu. Quand paraîtra le Christ, votre vie, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Séquence. À la victime pascale, chrétien, offrez le sacrifice de louange. L'agneau a racheté les brebis, le Christ innocent à réconcilier l'homme pécheur avec le Père. La mort et la vie s'affrontèrent en un duel prodigieux. Le maître de la vie mourut, vivant, il règne. Dis-nous, Marie-Madeleine, qu'as-tu vu en chemin? J'ai vu le sépulcre du Christ vivant, j'ai vu la gloire du ressuscité. J'ai vu les anges ses témoins, le sueur et les vêtements.
Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Il vous précédera en Galilée. Nous le savons, le Christ est vraiment ressuscité des morts. Roi victorieux, prends-nous tous en pitié. Amen. Notre Pâque immolée, c'est le Christ. Célébrons la fête dans le Seigneur. Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Proclamation de l'Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Jean, chapitre 20, versets 1er à 9. Le premier jour de la semaine, Marie-Madeleine se rend au tombeau de grand matin. C'était encore les ténèbres. Elle s'aperçoit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aime. Et elle leur dit: on a enlevé le Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a déposé. Pierre partit donc avec l'autre disciple pour se rendre au tombeau. Ils courèrent tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. En se penchant, il s'aperçoit que les linges sont posés à plat. Cependant, il n'entre pas. Simon-Pierre, qui le suivait, arrive à son tour. Il entre dans le tombeau, il aperçoit les linges posés à plat, ainsi que le cierre qui avait entouré la tête de Jésus. Non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. C'est alors qu'entra l'autre disciple, lui qui était arrivé le premier au temple. Il vit et il crut. Jusque-là, en effet, les disciples n'avaient pas compris que, selon l'Écriture, il fallait que Jésus ressuscite d'entre les acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus.
Chers frères et sœurs dans le Christ, shalom. Il y a quelques semaines, nous avons commencé ce qui ressemble à un voyage sans espoir et sans fin. Aujourd'hui, nous sommes arrivés à la fin de ce voyage. Aujourd'hui est le plus grand de tous les dimanches du calendrier chrétien, en raison de la nouveauté de vie qu'il apporte. Aujourd'hui, une nouvelle époque a complètement commencé. C'est parce que Jésus historique qui a souffert, a été crucifié, est mort, a été enseveli, a maintenant été glorifié. L'histoire courte est que le Christ est ressuscité dans l'accomplissement de sa promesse. Je ressusciterai le troisième jour. La bataille est terminée. Il n'y a pas de controverse parce que Jésus est Seigneur. Aujourd'hui, nous célébrons le triomphe du bien sur le mal, de la lumière sur les ténèbres et de la paix sur le chaos. Nous célébrons l'espoir, la patience, et l'accomplissement de la promesse de Dieu à son peuple. Nous célébrons aussi le caractère unique de notre religion, la résurrection de notre Seigneur. Une question, chers frères et sœurs, que nous devons nous poser en ce dimanche de Pâques est: ai-je ressuscité avec le Christ à Pâques? L'Évangile aujourd'hui nous dit que Jésus a laissé le linge dans la tombe. En d'autres termes, il ne s'est accroché à aucune chose mondaine, ni ne leur a permis de l'abattre. Si nous devons nous élever avec le Christ, nous devons également être prêts à nous détacher de toutes les choses inutiles qui nous abaisse spirituellement. Grâce à nos observances du carême, nous sommes morts avec le Christ, alors lèvons-nous avec lui par la puissance du Saint-Esprit. En tant que disciples du Christ, notre témoignage à partir d'aujourd'hui sera: je vis la gloire du Christ alors qu'il ressuscitait. Le Christ, mon espérance, est ressuscité. Comme les apôtres, notre devoir est de répandre la bonne nouvelle de la résurrection du Seigneur dans le monde entier, comme Pierre dans la première lecture aujourd'hui. Nous devons dire à tous, maintenant nous sommes ses témoins, nous avons mangé et bu avec lui après sa résurrection. Ressuscité avec Christ, nous devons agir comme des vivants et non comme des morts. Nous devons rechercher les choses de lumière, les choses qui sont nobles et les choses qui glorifient Dieu. Nous devons rechercher les choses célestes en vivant comme des citoyens du ciel plutôt que comme des esprits liés à la terre. C'est ce que Paul nous appelle à faire aujourd'hui lorsqu'il dit « Puisque vous avez été ramenés à la vraie vie avec le Christ, vous devez chercher les choses qui sont dans les cieux, là où est le Christ. » En d'autres termes, nous devons vivre le type de vie qui est digne de celui qui est ressuscité et règne avec le Christ. Chantons donc avec les psalmistes en ce jour glorieux de Pâques. Ce jour a été fait par le Seigneur. Nous nous réjouissons et sommes heureux. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que le Seigneur Tout-Puissant et Miséricordieux nous bénisse et nous garde.
le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Bénissons le Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Suivez désormais sur vos smartphones et ordinateurs toutes les actualités de l'Église catholique en Afrique et dans le monde entier sur SMA Togo TV. Le Samaritain aujourd'hui, on ne l'a pas, mais c'est nous qui sommes les Samaritains. Nous devons suivre l'exemple de Jésus sur cette terre. C'est le coup de la parole, l'opportunité d'être en communion avec le Christ. SMA Togo TV est accessible 24 heures sur 24, en direct sur le www.smatogo.tv, YouTube, SMA Togo TV, Facebook, SMA Togo TV. Téléchargez l'application SMA Togo TV dans Play Store.